Oh, mais j'ai touché à rien. Bienvenue sur la grille de jeu. Grille de jeu? C'est exact. Vous avez été choisi pour participer à quelques épreuves. Si vous perdez, vous serez défragmenté. Si vous gagnez... En fait... personne ne gagne. On n'a pas d'attention de jouer. Vous n'avez pas le choix. Bon, alors ne perdons pas de temps. Génial! On va pouvoir sortir par là! Oh! Drone! Je ne comprends pas. Que faites-vous là? On est venu te donner le mot de passe! Pourquoi ne pas m'avoir simplement transmis les données? Transmis? Hey, ça va aller? Je me sentirai mieux une fois qu'on aura accédé au DTD. Eh bien, me voici comme neuf. Toutes mes fonctions ont été restaurées. Chauffeur! Enfin, j'ai un accès illimité au DTD. Mon emprise sur le système est maintenant totale. Je ne me serais jamais attendu à un mot de passe aussi simple. Qu'est-ce que nous avons là? Un programme de destruction d'urgence de la ville. Vérifions son efficacité. Non. Misérable, tu as changé le mot de passe. Ça devrait nous faire gagner un peu de temps. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Le MCP charge un programme d'attaque dans la tour ES. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit protéger les utilisateurs. Rejoignons la tour. Tu me déçois, Tron. Pourquoi persistes-tu à t'allier à ces ingrats d'utilisateurs? Parce que je dois les protéger. Quelque chose dans mes codes m'ordonne de faire le bien. Vraiment? Et quel est donc ce programme? En fait, je ne comprends pas non plus. C'est simple! Les amis s'entraident, voilà tout! Hé! Hey, attention! Merci beaucoup pour votre aide. Désormais, avec mes fonctions réactivées, je crois que j'ai une chance de déjouer les plans du MCP. Je dois reprendre le contrôle du système. C'est ce que mon utilisateur voudrait. Ce qu'Ansem voudrait. Écoute, Tron. Ce n'est pas Ansem qui nous a donné le mot de passe. En fait, on l'a trouvé un peu par hasard. Dans le monde des utilisateurs. Encore un détail. Ansem, c'était notre ennemi. En fait, il l'est toujours. Enfin, je pense. Pour être franc, c'est aussi mon ennemi. Je ne comprends pas.
Ansem a accaparé le système d'origine et l'a personnalisé pour ses recherches. Je faisais partie du programme initial, Ansem s'est emparé de moi et m'a modifié aussi. Il est ainsi devenu mon utilisateur. Mais Ansem est également l'homme qui a dénaturé le MCP. L'Ansem que je connaissais n'aurait pas fait ça. Je regrette de ne pas te l'avoir dit plus tôt. C'est pas grave, mais maintenant j'y comprends plus rien. C'est assez confus pour moi aussi. Mais je pense que les utilisateurs comme vous détiennent les clés de ce mystère. Vous êtes capable d'emprunter des chemins illogiques et de trouver quand même la bonne réponse. Partez à présent, avant que le MCP ne reprenne ses esprits. Les données du DTD dont vous avez besoin sont maintenant accessibles depuis le terminal de mon utilisateur. Je maintiendrai un canal d'accès spécialement pour vous. J'ai modifié le mot de passe pour tenir le MCP à l'écart. Quel canal d'accès ? Encore un terme technique. Grâce à ce lien entre nos deux mondes, nous resterons connectés. C'est vous, mes amis, qui êtes le nouveau mot de passe. Merci, Tron. À bientôt. Transmettez mes amitiés à tous les utilisateurs.